C'est passé quoi là? Entier, mais je connais cet arbre. C'est une de nos œuvres, mais nous ne l'avions pas faite pour toi. Écarte-toi. C'est impossible. Allez, celui-là. Oh là là. Salut tout le monde, c'est Ilias, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de God of War, l'épisode 9. J'espère que l'épisode précédent vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, et moi je vous dis c'est parti les gars. Bon c'est parti. Allez, 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 allez. Zone découverte. Base de la montagne. Ok. Wow, je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. J'espère que ça vous plaît. Profitez, hein. Profite de la beauté de ce jeu. Regardez-moi comme il est beau. Bref, là on va se reprendre un peu de vie. Ok, on fouille un peu. Je crois que Sindri sait que ce monde sommet est pris dans les racines ici. J'en doute. S'il raconte le pied. Alors comment il va le réparer? Ce n'est pas mon problème. T'as pas cassé ce truc là? Non, on paraît pas. Bon bah on va avancer, on va continuer. On va continuer. J'espère que ces épisodes vous plaisent. En tout cas moi, je kiffe. C'est incroyable, ce jeu il est incroyable. C'est de la fumée. Où ça? Ouais, c'est de la fumée. Il y a un truc en bas ou pas? Non, il n'y a rien. Ah, il y a que je suis ici. Ok. Bon. Que va-t-il se passer? Ne t'approche pas. Qu'est-ce que c'est? Ok. On doit trouver un autre chemin. La sorcière! Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante. Comme par hasard. Le souffle noir et on ne peut pas le comme par hasard, elle est là. Odin s'en est assuré il y a. Le sang, elle est là. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Je l'aime trop. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée. Je l'aime trop. À sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être. Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien. Ah là 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 là. Je l'aime trop, même. Même si vous avez blessé mon ami. Cette sorcière là. C'est le sang. C'est le sang. Dans un royaume. Bien loin du tien. Allez, c'est parti. Bon. Cette sorcière là. C'est le sang. Je te jure, je l'aime trop. Ah, je peux même pas courir. Seulement. Ah si. Attends, on peut pas descendre ici. Parce qu'il y a un truc rouge là-bas. Attends, on va essayer de le toucher. Ah, il est trop loin. Ah, je pense que c'est trop loin. Merde. On pourra y aller après peut-être. Enfin après. Quand on pourra passer là. On verra. La sorcière, on va la suivre. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez du jeu. Moi je le trouve il est... Waouh. Bref. J'arrêterai pas de le répéter. J'arrêterai vraiment pas de le répéter, mais c'est beau. C'est beau. Bref. On va se servir de ça. Ok. Greitha. Ah ouais. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Les nains sont... Ah ouais, quand je regarde là, on n'entend plus. Jugé par les deux okay. Qu'on a rencontrés. Je peux rien faire en fait. C'est vrai. Ah si, voilà, enfin. Ça, c'est ça. 18, ouais. Tourne ce levier. Ouais, dis s'il te plaît, non. Heureusement, je t'aime bien, toi. Là.
Ok, et ensuite. Bon. Elle là. Au bureau, on va finir ensemble. Le de tir est au centre du lac. On verra. C'est là que se situe le passage vers on verra, on verra, on verra. Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Ok. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? Le Ragnarok. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Intéressant, intéressant, intéressant. Ok, ensuite. Bon. Vous savez, on a parlé aussi. Bon, c'est un peu trop guidé là. Vraiment? Une exagération. C'est un peu trop guidé, je trouve. Ah, mais on était là avant. On était là avant. Ah, on va chez le nain là. Ok. Ok. Voilà, on était là tout à l'heure. Ah, il est plus là. Le frère du Schtroumpf. Dommage. Bon, on fait quoi? On avance. Allez, ouvre la porte. Allez, pousse. Nickel. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? Ok. On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Ah, la pierre bleue. Je regarde bien. Yes. Léostan. Hein? Il est solide. C'est de l'architecture elfique. Ah ouais. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alphag. Ah ouais. Grâce à elle, je peux ranimer la magie. Ah ouais, stylé. Attendez, il va pas disparaître? Putain. Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. C'est stylé de ouf. Hein. J'en veux une. Moi aussi j'en veux une, frérot. Ces racines. De quelle magie s'agit-il? Celle des c'est trop beau. Tu les connais? Seulement quelques histoires. C'est vraiment trop beau. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Faut pas casser. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Vas-y, tire ta flèche. Gosse. Madame. Madame. Ok, tu veux pas. Ok, on retourne tout début. Ok. On va aller chez le Schtroumpf. Ah, je vais pas le voir, mais. Le temple de Tyr. Le il peut toujours pas lire ça là. Construit avec l'aide des géants. Ah, visiblement, il est bon. Grâce à lui, il parcourait les neuf royaumes pour y maintenir la paix. Il a l'air très paisible. Partout où on va, on se fait attaquer. Ah, il bouge en plus. Ah, il bouge. Oh merde. De plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts. Enfin, tu peux courir là, ça monte. Aujourd'hui, ils ont fui. Bon, on va retourner chez le Schtroumpf. Intéressant. Pour survivre dans ce monde. Intéressant, intéressant. Il est parti en fumée. Regardez-moi ce serpent. Tournez à droite au bas de ces marches. Quoi? Tourne à droite? C'est ici à droite. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte? Attends, t'as fait quoi? Madame. Tu fais quoi? Faire quoi là? Attendez, attendez, attendez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Faut descendre ici, je pense. Nickel, bru. Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez là, je vais ranimer la lumière. Mais c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment trop trop bien. On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Il est où l'essieu? Il est là-bas. Bien. Maintenant, remets ok. En place. Elle me donne des ordres en fait. Elle me donne des ordres. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Ok. Comment faire? Je pousse, je pousse. Ah ouais, mais il est fort. Tu fais tourner tout le pont. Comment est-ce que tout le pont peut bouger? Ah ouais. T'es vraiment très fort. Pousse
Et petit, mangez de la soupe. Écoutez vos parents quand ils vous disent mangez de la soupe. Ça, vous pouvez faire ça. Moi, petit, j'ai pas mangé beaucoup de soupe. C'est pour ça que j'arrive pas à faire ça. Mais vous, faites-le, faites-le, c'est intéressant. La soupe, toujours. À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. Ok. Ok. Bizarre quand même l'histoire. Hein. C'est parfait. Remontez. Y'a rien à fouiller ici. Y'a rien du tout. Vas-y, on va remonter. Hein. Putain, mais c'est bizarre. C'est bizarre, 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 bizarre. C'était très impressionnant. Ouais, de ouf. Franchement. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. Ah, triché. Ces... Ah là là. Attendez. Ce sont les géants ou les elfes allez qui hop. Ont construit le temple. Allez hop, allez hop, allez hop. Arrêtez de parler, arrêtez de parler. On continue. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes. Ah, mais y a plus le schtroumpf là. Il est plus là. Genre, on a complètement changé de lieu. Attends. Normalement, il y a le schtroumpf. Attends, il est là dans le schtroumpf. Ah oui, il est parti. Il est parti, le schtroumpf. Vas-y, tire ta petite flèche. Léos, la corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Oh là là, maintenant Atreus, il va l'avoir. Vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. Ah, c'est trop bien. N'oublie pas. Ah, c'est trop trop bien. Ah, maintenant Atreus, il pourra faire ça. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer, mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Ok, zone découverte sale de passage entre les royaumes. Nickel. Mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Je sais pas. Hein. Moi je trouve que le jeu il est trop 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 beau. Votre magie produit pas ce genre de racines. C'est beau. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Ah ok, donc on pourra voyager entre les royaumes. Nous. Ok, bah attends, vas-y. Approche-toi de la table. Comment ça fonctionne? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les neuf royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde. Tout comme nous le sommes. Ok, c'est intéressant là. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Regardez-moi ce truc. Regardez comme c'est beau. Et renaissance. Regardez-moi ça. Tout profitez, profitez. Le temps. Parce que c'est pas sur Call of qu'on voit ça. Pas sur Fortnite non plus. C'est incroyable. Voilà. Cela fonctionne ainsi.
Ce jeu est Mais beau. j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Ce jeu est beau. Oui. Très bien. Le pont que tu as Vana... poussé dehors est Vanaheim. positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Ok, Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination. Ah, ça marche comme ça, ok. Alfheim. Oh, est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps? Ok. Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac. Ok, dehors. J'ai compris. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Ok, ça marche. Voilà, Alfheim. Chaque royaume dispose Alfheim, d'une ouais. rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Ok, ensuite, aller dans le royaume. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Ah, mais c'est trop bien. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Ok. Ah, du coup, c'est pas un épisode où il y a de l'action. Là, clairement, c'est un épisode où on découvre, où on apprend les choses. Géant, chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir de Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Ok. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac? J'entends pas ce que tu dis, madame. La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers. Quand les géants ont quitté Ok, le ok. Personne ne sait où elle est passée. C'est beau. Ni comment ils l'ont défaite. C'est trop beau. Voilà. Terminé. Un royaume à part. Ok. C'est fou. Incroyable. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière. Ah ah. Alors nous sommes coincés. Ok. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Ok, du coup, on doit chercher une lumière. Pour. Ok, y a pas de problème. Hein. Bon, on va continuer. Attends, y a pas des choses à fouiller ici? J'ai envie de fouiller un peu. Ouais, bon, je pense pas. Bon, vas-y, on va continuer, parce que déjà, cet épisode, y a rien. On va continuer. Allez. Ok, et du coup là, on apparaît dans un nouveau monde, ça. Allez, 3, 2, 1, waouh. Ah mais c'est beau, mais... Ce jeu est beau. Waouh. Profitez, on voit pas ça tous les jours. C'est incroyable. Incroyable. Je la distingue à peine. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Oh, non, c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Oh, le sang. Non. Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger dans les... Non. Oh. Bizarre ça. Elle est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Il y a peu de chance. Viens. Non, t'inquiète, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Bon, ça va être la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ouais, il est un peu court. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui sont passées, mais bon, on en apprend un peu plus sur l'histoire, sur le Bifrost, sur les mondes, tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, et moi je vous dis on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, ciao les gars!